Salut, je m'appelle Suzy Wallis. Je veux résoudre l'insoluble. Je veux apporter une résolution aux mystères les plus inextricables. Pourquoi tu souris ? Je ne sais pas. C'est mon expression habituelle. Je vous écoute, Sophie. Un certain Jesse Wilcox. Apparemment, il a disparu depuis 2 jours. Et quand le monde est rempli de haine, c'est le moment de méditer. Tout le monde me connaîtra, Gillian, quand je résoudrai cette affaire et que je deviendrai une héroïne. J'ai hâte. Ça n'a pas d'importance si vous avez 5 suspects ou 500. Plus souvent que vous ne le pensez, le coupable se trouve juste sous votre nez. Je m'appelle Suzy. La véritable Nancy Drew de l'Ohio. Racontez-nous toute votre enquête. Je me souviens avoir appris l'existence des héros à l'école. Je n'aurais jamais pensé rencontrer l'un d'eux. J'ai eu des frissons. Vous aussi, non ? J'ai eu un tas de frissons. Et toutes les autres personnes dans le monde, eh bien, portent des masques. Pas toi. Ne change jamais, d'accord ? Je crois que je me suis trompée sur toi. Mais bon, même si t'es une vraie héroïne, t'as toujours pas de vie sociale. T'énerve pas, Suzy. Je te promets de ne parler à personne de ce que j'ai trouvé ici. Je sais pas de quoi tu parles, mais sors de chez moi. Jesse portait ce bonnet le jour où il a disparu. Tu peux me dire ce qui s'est passé? La vie prend parfois des tournures inattendues. Vous me suivez? Ils ont trouvé plus de traces d'ADN. Ah oui? Vous pouvez être le meilleur criminel du monde, mais vous n'échapperez pas à la science. Une nouvelle tragédie frappe la ville. Même les plans les plus parfaits ne fonctionnent pas toujours. Tu étais mon principal suspect, tu sais. Ça fait des semaines que mes gars te suivent. Parce que finalement, une solution se présentera.